Mais bonjour vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Voilà, j'ai été voler cet après-midi avec un temps pourri et j'ai fait une rencontre. Voilà. J'étais au bord de la route en train de voler. L'agriculteur est passé avec son tracteur et s'est arrêté. Voilà. Et puis il m'a demandé ce que je faisais là. Moi, que dire? À part dire je vole et je fais des vidéos de la nature, je ne savais pas quoi dire. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je savais, j'ai pu dire que le propriétaire en passe là-bas que je connaissais, que là-bas je connaissais, que j'ai connu un peu partout. Et puis quand même, je lui demande, mais qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi ça vous dérange que je vole là? Il me dit non, non, il me dit c'est à cause de mes chevaux. Voilà. Il me dit j'ai sept chevaux et j'ai peur, je vous y vais avec le drone, on ne sait jamais, avec tout ce qui se passe, là, là. Alors je lui montre mes drones, je lui montre j'ai voulu lui montrer tous mes papiers, ma carte d'identité, tout. Mon truc de vol, tout, tout. Je voulais tout lui montrer. J'ai montré mes drones. J'ai tout expliqué. Qu'est-ce que je faisais, ma chaîne YouTube. Et ben là, ben là, ben là. Ça a duré un quart d'heure, cette histoire. Et en fin de compte, il m'a autorisé à voler sur son terrain et sur un autre terrain. Ça, c'est super sympa de sa part. Je remercie parce que je sais qu'il va regarder, j'espère, ou ce soir ou demain, il va regarder ma chaîne pour savoir si c'est vrai ce que je raconte ou pas. Ou si c'est du cinéma. Voilà, je remercie infiniment d'accepter que je vole chez lui. Voilà, ça c'est une parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est le JGR, c'est X17, il est cuit. Ça veut dire que la caméra ne fait que bouger, comme ça elle fait. Elle tremble. Je l'ai démonté avant hier, parce qu'il pleuvait, j'ai tout démonté, j'ai arrangé les caoutchoucs. Vous savez, les caoutchoucs qui font amortisseur, et ça n'a pas suffi. Je l'ai monté à 50 mètres de hauteur, il n'a pas broché, mais la caméra, elle est cuite, elle est foutue. Voilà. Alors, certainement pas que je vais acheter une caméra. Déjà, pour en trouver une, et puis j'ai pas envie d'en acheter une. Non, j'ai pas envie de me gaspiller d'argent pour ce drone-là. Pas du tout. Je ne le ferai pas. C'est dommage, parce qu'il fait de belles vidéos. Je pense mieux que le G906 Pro, presque sûr. Mais là, j'ai tout fait, j'ai tout démonté, j'ai tout regardé. Il y avait même une antenne qui était débranchée. Ah oui, aussi, il ne veut plus se connecter au téléphone. Accès refusé, accès refusé, accès refusé. Je ne sais pas ce qui se passe. En tombant, il a dû se passer, s'est passé quelque chose dedans. J'ai mis 10 minutes à le connecter, j'y arrivais pas. Voilà, ça c'est des petits détails qui en font des grands. Une grosse merde, quoi. Voilà, encore un drone de perdu. Voilà, il est foutu. Pour moi, il est foutu. Hein. Je ne recharge pas la batterie. Pas la peine, ça sert à rien. J'ai fait des films, ils sont d'une catastrophe. C'est comme ça. Ben, Parkinson, c'est pareil. Il tremble, il tremble, il tremble, il tremble. Je ne peux rien faire, même en volant comme ça. Au ralenti, c'est pareil. Que ce soit ralenti vite ou pas vite, c'est la même histoire. Voilà, ça c'est une histoire de merde. J'ai fait mes vidéos que je vais mettre en ligne après cela. Sur le bug 20, j'ai fait des réglages. Je trouve pas mal du tout. Ah, parce qu'on peut régler la luminosité et la saturation. Ça, je le savais. Mais vu le temps qu'il y a aujourd'hui, le temps pourri, premier bol que j'ai fait, il pleuvait. Je suis obligé d'arrêter. Hein. Je suis allé dans un autre coin, il ne pleut plus. Mais le ciel est gris. Et je me suis dit, tiens, je m'amusais à régler la caméra. À l'intérieur, dans l'application. Et je l'ai fait. J'ai assombri la saturation et pareil la luminosité. Et vous allez voir, les champs, ils sont verts, les arbres, ils sont marrons. Ils sont vraiment, je crois que j'ai trouvé à peu près comment on règle la caméra. Voilà, ça c'est des trucs qu'on fait, qu'il faut faire. Parce que d'origine, il est blanc. Le bug 12, et j'ai regardé ce matin les vidéos, c'est pareil. C'est la même caméra, elle est stabilisée électroniquement, mais elle a une couleur, c'est fade. Voilà. Le vert n'est pas vert, le marron n'est pas marron, la terre n'est pas marron, hein, parce qu'elle est marron la terre, hein. Elle n'est pas grise. Et ça, c'est ça qui est triste. Et vous allez voir, cette vidéo, elle ne dure que 2 minutes, et vous allez voir la différence qu'il y a entre ce que j'ai fait l'autre jour et ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Ça, le GR7 est cuit. Et je remercie encore l'agriculteur qui m'autorise à rouler chez lui. Voilà.
des trucs, c'est rien, mais c'est vachement important. On vole chez des gens, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Regardez le monsieur, il a des chevaux. Peut-être qu'il n'aurait pas eu de chevaux, il ne serait pas arrêté. Comme il a des chevaux, il s'arrête. Il voit avec un drone, il a peur. C'est logique, je ferais pareil que lui. C'est de la logique. C'est pour ça, faites gaffe quand vous volez, demandez des autorisations, ne volez pas n'importe où, n'importe comment. Ben, moi, j'ai la preuve, j'en ai la preuve cet après-midi. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de super sympa. Mais on peut tomber sur des gens moins sympas. C'est pour ça avec un fusil. Parce que vu tout ce qui se passe dans les coins, partout, en France, même en Europe, j'ai appris ça. Ils tuent les animaux, ils les torturent, ils font tout et n'importe quoi. Et ils peuvent croire que nous aussi. Et pourtant, je suis vachement connu à Balanec, là où je vais, dans le Finistère. Les gens me connaissent. Ma voiture, elle est connue comme le Loup Blanc. Et pourtant, ouais, ce jeune homme, il ne me connaissait pas. Voilà. C'est des exemples. Bon, ben, je suis malheureux pour le juger en 17, bien sûr. Encore un drôle à moi, hein. Voilà. Normalement, j'ai vendu ma Mavic Mini. Ça y est, c'est fait. J'ai bien vendu. Et j'attends ben, l'argent pour m'acheter le Filmia 3. Ouais, j'ai décidé, j'ai cherché tous les drones qui existent au monde. Déjà, le Ipsan ne me plaît pas du tout. Le Ipsan, Zino ne me plaît pas du tout. Le Filmia 3, je pense qu'il est de bonne qualité. Oui, il filme en 1080, 30 images secondes, mais il est en bonne qualité. Et je vais prendre aussi, tant que j'y suis, parce que je peux, je vais prendre le V6 000 MGX. Pas si vous connaissez. Moi, j'ai fait sa découverte à 2 semaines de ça. C'est un drone qui n'a pas de stabilisation électronique, hein, mais il filme en 4K et c'est vraiment une belle image. Et si vous voulez, doucement, vous aurez de très très belles vidéos. L'autonomie de 25 minutes. Ça vaut le coup d'essayer. Et le Filmia à 3, moi j'ai trouvé que celui-là. Voilà. Après les autres, j'ai cherché. J'ai regardé, j'ai fait que ça depuis hier. J'ai regardé des tonnes de vidéos sur le Zino et le Filmia à 3, le Filmia X8. Déjà, le Filmia X8, il est trop lourd. Il fait 768 grammes. C'est trop lourd pour moi. L'autre, le Filmia à 3, il fait 560 grammes. Et le Zino, il fait 700 grammes aussi. Oui, il filme en 4K, le Zino, c'est sûr, il filme tout ce que vous voulez et tout. Mais il est trop cher déjà, pour moi. Pas le 1, hein. Le 2 Pro ou le 2 Plus ou je sais plus quoi. Enfin, il y en a plein de nouveaux là. Ils sont trop chers, pour moi, à mon goût, trop cher. Et je préfère le Filmia à 3 que j'ai trouvé à 187 euros sur Banggood. Avec un radiocommande, bien sûr, et une batterie. Après, j'achète une autre batterie, ça m'en fait deux. Ça fait environ 40 minutes de vol. C'est génial. Voilà. Ça, c'est un bon coup. Et le V6 MGX, pareil aussi, si vous prenez deux batteries, ça vous coûte 140 euros. Il y a 106 euros, 106 euros sur Banggood. Voilà. Je ne fais toujours pas de la pub à Banggood. C'est que c'est eux les moins chers. Trouver un Filmia à 3, 587 euros, je vous paye des frites. À moins qu'il soit d'occasion. Celui-là est tout neuf. Et il vient d'Espagne. D'ailleurs, je ne l'ai même pas une semaine. En plus. Voilà. C'était ça, c'était une parenthèse de tout ça. Je sais que vous ne pouvez pas voler, ben moi, c'est très dur de voler. Vendredi, dans le soleil, j'espère que je pourrai aller voler. Parce que là, aujourd'hui, ça a été une catastrophe. Impossible de voler. La pluie, t'as pas le vent, j'ai tout vu, quoi. Tout, tout. Tout pour faire chier, ben, les dronistes, voilà. Le temps pourri, quoi. Ben, c'est l'hiver. Hein. On attend avec impatience le printemps. En espérant que ça va vite arriver. Mars, avril, mai, là, ça serait bien. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon vol à ceux qui volent. Hein. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.